Bon, vous êtes prêts pour la deuxième partie? On va faire une partie un petit peu moins longue. Juste pour vous remettre dans la tête, vous vous rappelez les trois livres? Sciences de l'occupation, c'est celui dont on parle. Celui du milieu, l'activité humaine à potentiel pour la santé, je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est facile d'accès. Et puis le troisième, c'est le livre de Doris Pearce que je vous ai cité tout à l'heure, Occupation by Design, où elle parle vraiment du développement du potentiel thérapeutique de l'activité. Donc on va repartir un tout petit peu là-dessus, et puis on va arriver au chapitre de Karen Adler. Vous vous rappelez des quatre niveaux? Vous savez ça par cœur maintenant? La description, relation avec d'autres sciences, la prédiction, et la prescription. Ok, c'est clair? On passe. Voilà. Donc le niveau 3, c'est recherche prédictive. Comment est-ce qu'on va faire des études par rapport à ce qui va se passer? Et donc, comment est-ce qu'on va faire des études par rapport à des grandes populations? Donc le chapitre de Karen Adler, c'est le profil des expériences quotidiennes de plaisir, productivité et ressourcement. En fait, c'est un outil d'évaluation qu'elle a élaboré pour pouvoir permettre de savoir quelles étaient, d'un point de vue qualitatif, les différentes activités quotidiennes que l'on fait et comment est-ce qu'on expérimente le plaisir, la productivité et le ressourcement dans nos activités quotidiennes. Alors c'est nous. C'est les autres. Hein? On n'est pas, il n'y a pas que les patients qui ont le droit de remplir le profil PPR. Alors, ça c'est le chapitre 16. Hein? Karen Adler est ergothérapeute, donc elle a travaillé avec Doris Pearce et elle s'est appuyée sur le livre de Doris Pearce, donc Occupation by Design, où Doris Pearce. Ce livre-là, c'est le fruit de son travail de doctorat qu'elle a donc publié en 2003. Et dans ce livre-là, Doris Pearce explique comment développer le potentiel thérapeutique de l'activité. Ça a permis donc d'arriver au profil PPR. Alors là, on va revenir un petit peu sur le travail de Doris Pearce après. Les questions que Karen Adler s'est posées lorsqu'elle a démarré son travail de doctorat, ça a été, mais quels sont vraiment nos outils d'évaluation en ergothérapie? C'est une grande question, parce que quand on travaille en tant qu'ergothérapeute, il faut s'appuyer sur des choses qu'on va rechercher. Mais lesquelles? Est-ce que c'est en lien avec la pathologie? Pourquoi pas? Mais les ergothérapeutes, on se décentre de plus en plus de la pathologie pour se centrer sur l'occupation. Quels sont les outils d'évaluation en ergothérapie, les mesures qui sont vraiment centrées sur l'occupation et sur la personne? Ben, il n'y en a pas tant que ça. Quand vous faites un bilan articulaire, c'est centré sur la pathologie. Quand vous faites un OFI2, c'est centré sur la personne. D'accord? Vous voyez un petit peu la différence. Donc elle s'est dit, mais la cible de l'intervention en ergothérapie, c'est vraiment la réalisation d'activités ou d'occupations, hein, qui ont du sens pour la personne dans son environnement personnel. Si on réentraîne la personne à prendre des douches alors qu'elle a une baignoire et qu'il n'est pas question qu'elle ait une douche chez elle, ça ne va pas. Si on entraîne la personne à faire un gâteau au chocolat alors qu'elle n'en fait pas, c'est pareil. Hein. Donc la cible de l'intervention, c'est la réalisation d'activités qui ont du sens pour la personne dans son propre environnement et dans son propre futur. On ne travaille pas pour l'instant présent, on travaille pour le futur. Et donc la mesure qui est importante pour les ergothérapeutes, c'est l'amélioration de la performance dans les activités signifiantes et significatives, dans les occupations de la personne, dans sa vie. Et quels sont les outils pour mesurer l'évolution de la performance dans ces activités-là, eh ben, il n'y a pas tant d'outils que ça. On peut dire oui, elle est capable de faire sa toilette, non, elle n'y arrive pas. On peut utiliser l'index de Bartel ou je ne sais pas, mais ce n'est pas spécifiquement ergothérapeute. Hein. Donc, elle a essayé d'aller un peu plus loin. Alors, comment développer le potentiel thérapeutique de l'activité? Selon Doris Pearce, son étude, ça a été vraiment d'augmenter à la fois
l'attrait de l'activité. Il y a des activités que vous avez envie de faire. Hein, vous aimez peut-être bien faire du vélo, ou faire du tennis, ou lire un livre, ou regarder la télé, ou regarder des films, ou discuter avec des amis. Il y a des activités qui ont de l'attrait pour vous. Ok, très bien. Donc, en ergothérapie, il faut pouvoir proposer aux gens des activités qui ont de l'attrait pour la personne avec qui vous travaillez. Pour pouvoir lui proposer ces activités-là, il faut savoir ce qui est attrayant pour elle. Il y en a qui adorent faire des puzzles, il y en a d'autres qui détestent faire des puzzles. Si vous vous dites que c'est bien pour les... Mais attendez, il faut que, ça ait... que la personne ait envie. Hein? Ça repose la question de la motivation et de la non-motivation de certains patients. Donc il faut arriver à trouver. Deuxième aspect, la réalité écologique de l'activité. Réentraîner quelqu'un à se débrouiller dans sa chambre d'hôpital, dans le cabinet de toilette de l'hôpital, dans les couloirs de l'hôpital, pourquoi pas? Mais quand la personne va rentrer chez elle ou va aller en maison de retraite, il va falloir qu'elle réapprenne tout. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Hein. En France, on n'est pas encore vraiment dans ce milieu écologique, ça commence à arriver. Dans d'autres pays, les recommandations vraiment du ministère de la Santé, c'est de renvoyer les gens très rapidement chez eux, avec un soutien d'ergothérapie chez eux. Au Danemark, les gens restent hospitalisés beaucoup moins de temps, ils rentrent beaucoup plus vite chez eux, mais il y a un ergothérapeute dans chaque commune qui est au courant que Madame Intel va rentrer chez elle et qu'il faut aller faire une visite à domicile et des actes de soutien pour que la personne se réadapte chez elle. Là, ça devient vraiment intéressant. Donc il y a encore plein de postes d'ergothérapeutes à faire émerger dans les années à venir. Troisième aspect, c'est la pertinence pour atteindre les objectifs. Si on veut vraiment être pertinent, il faut être compétent soi-même, connaître, avoir beaucoup de connaissances, oui, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi négocier les objectifs de travail, de traitement avec le patient. Si on se dit, moi je sais que pour telle pathologie, il faut faire ça et ça et ça, ça peut être bien, mais vous pouvez aussi totalement tomber à côté. Donc, il faut pouvoir négocier les objectifs de traitement et donc forcément savoir ce qui est important pour la personne. Se mettre d'accord et à ce moment-là, on veut augmenter le potentiel thérapeutique de l'activité. Ça paraît évident, clair, mais ce n'est pas toujours mis en pratique de cette façon-là. Pour ce qui est de l'attrait de l'activité, c'est ce que Karen Attler a pris particulièrement, l'attrait de l'activité. Doris Pierce, dans son livre de 2003, a mis trois aspects de l'attrait de l'activité. Pour certaines personnes, la productivité, c'est central. C'est central en général. Hein, si on a faim et qu'on veut manger, ben on va peut-être se faire un sandwich. Donc on va produire notre sandwich. Si on doit travailler et qu'on doit rendre un travail, il va falloir le faire, on le produit. Ok, très bien. La productivité, il faut bien qu'on en fasse au moins à minima pour pouvoir survivre. Ok. Et c'est plus important pour certains que pour d'autres. Certaines personnes ne vivent que par leur sentiment d'utilité et de productivité. Donc le passage à la retraite peut être très difficile si on ne réfléchit pas autrement. Ok. Deuxième point, le plaisir. Vous savez très bien que les activités qui vous plaisent, que vous aimez faire, vous avez envie de les refaire. Ça, c'est normal. C'est la clé de l'engagement, comme le dit Doris Pierce. Donc, si on a le choix entre une activité qui ne nous plaît pas du tout, passer l'aspirateur, par exemple, ou une activité qui nous plaît beaucoup, aller discuter avec la copine à côté, eh ben, l'aspirateur, il va peut-être attendre et puis on va aller discuter avec la copine. Très bien. C'est normal. Ok. Le ressourcement, ce sont des activités qui nous redonnent de l'énergie. C'est-à-dire qu'à la fin de l'activité, on est plus dynamique encore qu'au début de l'activité. Alors, est-ce que vous pensez à des activités qui vous redonnent de l'énergie? À quoi est-ce que vous pouvez penser? La sieste, ça peut être ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est très important de bien dormir la nuit aussi, hein. Ok? Et encore? Le sport, ça peut, oui. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, oui. Ouais. La musique,
Pour certains, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et encore. Ça peut, tout à fait. Et puis là, on a eu droit à un petit café. À quoi ça a servi, le petit café? Bah, à nous ressourcer. On a arrêté de réfléchir. Et puis là, on est allé manger un petit truc qui nous a donné un peu de vitamine C ou de café, de caféine, c'est bon. Et là, après le petit café, bah, on se sent mieux. Hein? Bon, d'accord? Le ressourcement, c'est la qualité de l'activité qui nous donne un peu plus d'énergie qu'avant. Ça nous permet de survivre. Si on était privé de sommeil, de nourriture et de socialisation, eh bien, on va dépérir. Vous le savez. Hein? Ce que dit Doris Pierce, c'est que dans chaque activité, quelles que soient les activités que vous faites, il y a à la fois de la productivité et du plaisir et du ressourcement. Alors, plus ou moins. Il y a des activités qui vont procurer beaucoup de plaisir et pas beaucoup de productivité ni de ressourcement. Et puis il y a des activités qui vont produire, qui vont amener beaucoup de ressourcement et de plaisir. Et puis, c'est très très variable. Et il y a des activités que vous faites aujourd'hui qui vont vous donner plein de ressourcement et plein de plaisir et plein de productivité. Vous faites la même demain et puis demain ça ne va pas se passer du tout pareil. Et là vous allez vous sentir épuisé. Donc peut-être de la productivité mais pas de ressourcement. Ok ? Voilà. Ce que dit Doris Pierce, c'est que pour travailler avec les gens, il faut pouvoir leur proposer des activités qui vont leur procurer et de la productivité, et du plaisir, et du ressourcement. Hein, on a des curseurs, et pour bien, il faut avoir le maximum d'activités avec le curseur le plus haut possible. Donc vous réfléchirez dans votre vie, à tous, hein, aux activités qui vous procurent et du plaisir et de la productivité et du ressourcement. Et ce sont des activités qui sont à favoriser, forcément. Hein? Quand vous prenez plaisir à faire des choses qui sont à la fois productives et qui vous redonnent de l'énergie, bah c'est génial. C'est génial. Hein? Donc pour Doris Pierce, l'ergothérapeute doit être capable de proposer et de maîtriser donc la mise en place d'une activité attrayante pour les patients. Karen Adler s'est appuyée là-dessus. Pour proposer le profil PPR, donc profil plaisir, productivité, ressourcement, pour voir un petit peu ce qu'il en était de l'attrait des activités qu'on fait dans notre vie quotidienne. Parce que dans notre vie quotidienne, on fait de tout. Des activités qui sont très, très dynamisantes, puis d'autres pas du tout, etc., etc. Et donc, elle a élaboré un outil d'évaluation qui est utilisable relativement facilement, vous n'avez pas besoin de faire de formation pour le faire, et qui vous permet d'évaluer de façon très subjective la personne qui remplit son évaluation sur un papier ordinaire, va coter de façon très subjective. Donc les différentes activités quotidiennes qu'on fait. Et l'objectif, c'est de repérer les activités qui procurent le plus de productivité et de plaisir et de ressourcement. En tant qu'ergothérapeute, c'est particulièrement important de bien connaître les gens avec qui on travaille et de repérer ces activités-là. Donc, l'outil d'évaluation mesure l'utilisation du temps et c'est un peu l'idée de l'équilibre entre les trois qualités de l'expérience. Plaisir, productivité, ressourcement. Alors pour revenir aux différentes catégorisations des activités, souvent, comme je vous disais, on parle de soins personnels, d'activités productives et d'activités de loisirs. On pourrait se dire, bah, activité productive, on y est là. Activité de soins personnels, ça pourrait être le ressourcement. Et puis activité de loisirs, ça pourrait être le plaisir. En fait, les deux ne sont pas superposables. Les activités de loisirs ne procurent pas toujours du plaisir, mais ne procurent pas que du plaisir. Les activités de soins personnels peuvent procurer du ressourcement, mais pas forcément, et puis peuvent procurer aussi de la productivité et peuvent procurer aussi du plaisir. Quand vous vous douchez, que vous êtes là sous la douche et puis que c'est chaud, c'est bien, ben vous prenez du plaisir. C'est pas que du ressourcement. Et puis quelquefois, vous dormez très mal, vous avez plein de cauchemars. Bah, c'est une activité de soins personnels, mais si vous faites plein de cauchemars, ça ne va pas être du ressourcement. Vous ne serez pas en meilleure santé et forme le lendemain matin que la veille au soir quand vous êtes couché.
Donc tout ça, c'est variable. Alors, ce profil PPR est adapté à tout le monde, pour tout le monde, n'importe qui peut le faire, mais c'est aussi adapté pour les personnes avec qui on travaille en ergothérapie. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'on recherche dans le profil PPR, vous allez vous dire, c'est pas très compliqué, ça, on le fait un peu en ergothérapie, on le fait un peu comme ça. Oui et non. L'intérêt d'avoir un outil d'évaluation qui a été développé de façon scientifique permet d'avoir des items qui sont un petit peu plus structurés et qui peuvent être écrits. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on recherche, alors on demande à la personne de noter sur une feuille tout ce qu'elle fait dans sa journée. Donc on commence à minuit. Enfin, à minuit, on ne se réveille pas pour ça. Quand on se réveille, on dit, j'ai dormi jusqu'à 7 heures ce matin. Et puis, on va noter un petit peu. Alors, noter à l'heure à laquelle ça a débuté. Alors, on met minuit parce qu'on fait de minuit à minuit. Mais enfin, on ne s'est peut-être pas couché à minuit. L'heure de fin d'activité à laquelle on arrête. Donc, j'ai dormi jusqu'à 7 heures. Okay. Ce qu'on faisait, j'ai dormi. Avec qui? Là, j'étais toute seule. Ok. J'étais pas chez moi, c'était pas dans ma chambre, donc dans un autre domicile. Plaisir, productivité, ressourcement. Là, on me demande de coter sur 5 quel niveau de plaisir j'ai eu à dormir. J'ai bien dormi, mais enfin, niveau de plaisir, je ne sais pas trop. Niveau de productivité, je n'ai pas fait grand-chose à part dormir. Ressourcement, j'étais en pleine forme ce matin, c'était bien. Donc là, on doit coter sur 5. Coter sur 5, alors le plaisir sur 5, je pourrais dire 3 par exemple, parce que j'ai tout de même bien dormi. Productivité, je n'ai pas fait grand-chose, je vais coter sur 2. Et puis ressourcement, j'étais en pleine forme ce matin, je me suis réveillée sans aucun souci, je vais mettre 4 ou 5 par exemple. D'accord ? Et puis commentaire, je peux mettre un petit commentaire. Alors, le profil se présente comme ça. Donc là, vous avez l'heure de début et il y a une ligne par activité. Alors les activités, ce n'est pas forcément j'ai bu mon café, j'ai rangé les tasses après, on ne va pas faire des toutes petites activités, sinon on aurait un document qui ferait 50 pages par jour, quoi. Non, on va faire un groupement, un groupe d'activités pour pouvoir avoir une idée un petit peu globale des activités. Donc là, par exemple, j'ai dormi, je me suis préparée pour la journée, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris ma voiture, je suis arrivée, il y avait des embouteillages, ce n'était pas forcément ressourçant, je suis arrivée au travail où j'ai fait telle ou telle chose. Et on le fait comme ça pendant 2 jours. C'est bien de le faire sur 2 jours, parce que sur 2 jours, on peut voir un petit peu certaines routines ou certaines activités qu'on reproduit, qu'on refait de la même façon. On peut voir aussi, ce qui est intéressant, c'est de le faire aussi éventuellement sur une journée de semaine et une journée de week-end. Parce que le dimanche, on ne fait pas forcément la même chose que toute la semaine. Et on peut avoir des activités très différentes. Et lorsqu'on a rempli cet outil-là, sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, on peut le faire un petit peu comme on veut, à ce moment-là, on réfléchit à ce qu'on a écrit. Et on se dit, tiens, cette activité-là, ouais, ça m'apporte pas mal de ressourcement, je n'avais pas fait très attention à ça. Quand je fais du sport ou quand je fais du vélo, c'est vrai que je me sens bien après. Ouais. Alors, on peut y réfléchir et le savoir, comme on peut aussi ne jamais vraiment avoir réfléchi à ça. Et de se dire, tiens, quand je suis dans tel contexte, par exemple le contexte social, j'aime bien être avec les autres, et puis quand on discute, et puis quand on fait le travail ensemble, quand on étudie ensemble, quand on mange ensemble, en fin de journée, je me sens super, super dynamique. Ou là, aujourd'hui, les gens que je devais voir ne sont pas là, je suis toute seule, aïe aïe aïe, c'est dur, c'est dur. Et là, ça peut permettre de réfléchir et de se dire, tiens, cette activité-là, j'ai des bons scores qui montent bien haut, ou là, cette activité-là, c'est vraiment très très bas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les activités où on a un score pas très bon en ressourcement, très nul en plaisir, et puis un peu de productivité, parce que parfois, on est bien obligé de faire certaines activités. Mais parfois aussi, on peut se dire, tiens, dans tel contexte, c'est beaucoup plus agréable.
Éplucher des pommes de terre, par exemple, c'est pas très rigolo. Quand on est tout seul à le faire, c'est pas drôle. Mais si on est à deux à éplucher les pommes de terre, là, on discute et là, ça se fait très bien. Moi, toute seule à éplucher mes pommes de terre, le plaisir, ce sera un ou deux. Mais si je suis en train de préparer un repas avec quelqu'un, là, tout d'un coup, je suis à quatre ou cinq. Tout d'un coup, ça ne devient pas dur. Ça devient un plaisir parce qu'on a fait autre chose en même temps que cette corvée d'éplucher des pommes de terre. Vous voyez? Donc là, c'est intéressant de percevoir ça et de le faire avec les personnes avec qui on travaille pour repérer les activités, les valeurs liées à ces activités et de façon à pouvoir se dire, tiens, pour pouvoir motiver la personne, peut-être qu'il faut passer par le réseau social plus que du travail en individuel. Ou pour d'autres, eh bien, le réseau social va être trop énergisant et les gens, ils disjonctent un petit peu parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Donc là, on va se dire, non, là, c'est trop. Donc c'est un équilibre à trouver à travers les activités qu'on fait et à travers ce que les gens disent de leur ressenti. D'accord? Vous vous sentez prêt à faire ce genre de choses? C'est à expérimenter par vous-même pour démarrer. Alors, est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes pour réfléchir un petit peu à une des activités que vous avez faites ce matin jusqu'à maintenant, pour l'écrire? Hein? Voilà. Donc vous allez l'écrire. Juste une des activités, ça peut être ce matin, ça peut être pour venir ici, ça peut être, ça a été d'écouter la séance ce matin, ou ça a été l'activité que vous avez fait, le café. Vous essayez de l'écrire, l'activité avec qui, où, et vous allez essayer de coter pour cette activité-là précise la cotation sur 5 de plaisir, de productivité et de ressourcement. Je vous laisse faire ça. Vous avez 5 minutes pour ça. Alors, je vous rappelle que c'est une évaluation subjective. Donc, vous ne demandez pas à votre voisin s'il coterait à 5 ou à 3. Vous essayez de le faire individuellement. Vous essayez de réfléchir un petit peu. Parce que ce que j'attends de ça, c'est que vous me posiez des questions après. Ça y est, c'est bon? Vous avez commencé à réfléchir un petit peu sur une activité? Alors, quel problème est-ce que vous pouvez rencontrer pour les cotations? Chut. Donc vous avez choisi une activité, vous avez écrit où, comment, très bien. Et au moment de coter sur 5 le plaisir, de coter sur 5 la productivité et de coter sur 5 le ressourcement, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette cotation? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous arrivez à trouver votre chiffre comme ça? Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous comprenez bien la différence entre la productivité et le ressourcement? Quelle question? Alors, la notion de plaisir. Ok. C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de plaisir ici, c'est le plaisir qu'on prend pendant l'activité. Hein? Parce que parfois, on a du plaisir à la fin de l'activité. Quand j'ai rangé chez moi et que tout est bien rangé, j'ai du plaisir à la fin de l'activité. Pendant l'activité, passer l'aspirateur et tout ça, j'éprouve pas énormément de plaisir, c'est beaucoup plus productif. Mais à la fin de l'activité, quand là, enfin, je m'assois dans mon fauteuil et que je me dis, ah, c'est beau, c'est propre, c'est chouette, là, j'ai du plaisir. Mais je ne coterai pas, je coterai pour ce genre d'activité, un chiffre haut en productivité, mais pas un chiffre très haut en plaisir. D'accord? Donc le plaisir, c'est vraiment pendant l'activité, et la productivité, c'est à la fin de l'activité. D'accord? Et ne peut-on avoir plaisir de réaliser la chose sans Oui, pour autant. tout à fait. Mais on peut éprouver et du plaisir et de la productivité en même temps. Il y a des fois, oui, c'était la question de savoir si on pouvait avoir à la fois et du plaisir et de la productivité. C'est sûr, il y a des fois, j'adore ranger. Hein. J'aime bien quand les trucs sont bien classés et tout ça. Et je peux prendre du plaisir en rangeant. Et puis à la fin, c'est produit, c'est fait, je suis contente aussi. Donc là, il y a certains rangements, certains, pas tous, hein. L'autre jour, j'ai trié toutes mes vieilles photos.
Il y en avait vraiment dans tous les sens. J'ai pris du plaisir à trier ces photos et à les ranger. J'étais contente à la fin parce que ça rentrait dans ma boîte, c'était très bien. Mais aussi, pendant que je l'ai fait, j'ai pris du plaisir. C'était des vieilles photos et je me suis dit, oh, cette photo-là, ça me rappelle des choses. J'ai pris du plaisir pendant l'activité et j'étais contente à la fin. Et là, pour cette activité-là, je mets un fort taux de plaisir et un fort taux de productivité parce que ça faisait longtemps qu'il fallait que je le fasse. Oui, une question. Le fait d'être contente à la fin de l'activité, du coup, ça n'empêche jamais. Alors, le fait d'être content à la fin de l'activité, est-ce que c'est du plaisir? C'est une question qui se pose. Hein? Non. Le fait qu'on fait l'activité, on cote le plaisir pendant l'activité. Oui. On cote pas le plaisir à la fin de l'activité. Ah, alors. Alors, c'est une question à laquelle j'ai été confrontée beaucoup parce qu'il y a eu certaines activités où pendant l'activité, on n'avait pas tellement de plaisir, mais à la fin, on était tellement content du résultat que le plaisir était là tout de même. Donc, on n'a pas mis un 2 en plaisir, on a mis une cotation de plaisir un petit peu plus importante parce que le plaisir était tellement fort à la fin que du coup, on l'a tout de même pris en compte. Mais si vraiment l'activité a été très difficile, désagréable, et que le plaisir n'arrive qu'à la fin, on ne cotera pas un fort taux de plaisir, on ne mettra jamais un plaisir à 3 ou à 4. Hein, c'est beaucoup plus le plaisir pendant l'activité qui est pris en compte. Est-ce que la productivité est strictement limitée à des choses matérielles ? Alors, est-ce que la productivité est strictement limitée à des choses matérielles ? Non. Effectivement, la productivité, c'est le fait d'accomplir quelque chose qui peut être de ranger son appartement. Hein. On n'aura pas fabriqué quelque chose. Fabriquer quelque chose, évidemment, c'est productif, mais c'est aussi intellectuellement. Avoir appris quelque chose, c'est productif. Donc là, tout ce que j'espère, s'il y en a quelques-uns qui ont pris la séquence de ce matin, c'est que vous aurez une certaine productivité parce que vous aurez appris quelque chose. J'espère. Une autre question. L'ordre de la transformation, alors. L'ordre de la transformation, bah, il y a de ça. Il y a de ça. C'est assez dur de mettre des valeurs, parce qu'on n'a pas vraiment de critères, entre 2, entre 2, 3, 4. C'est assez difficile de coter. Mais je vous rappelle, c'est une cotation subjective. Subjective, ça veut dire qu'il n'y a pas de normes. Hein, vous n'allez pas comparer votre évaluation subjective, par exemple pour le café ce matin de la demi-heure, avec votre voisin qui a pris la même activité, qui a son évaluation subjective. Hein, votre 2 ne correspondra pas au 2 du voisin. D'accord ? Hein, ou votre 4 ne correspondra pas au 4 du voisin. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment la personne évalue avec des chiffres à elle sur son sentiment de productivité, son sentiment de plaisir et sentiment de ressourcement. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à côté. Moi, personnellement, j'aurais préféré que ce soit une cotation sur 10 pour que ce soit un petit peu plus large, parce que mettre une cotation à 1 qui veut dire qu'il n'y a pas du tout, c'est absent, pas du tout de plaisir ou pas du tout de productivité, et 5, qui est le plaisir maximum, hein, avec une productivité maximum, 1 et 5, on ne va pas l'utiliser tous les jours. Et donc, on se retrouve à 2, 3 et 4, et du coup, ça fait des cotations qui sont assez resserrées, je trouve. Une question ? Je voulais savoir, par exemple, si je vais pas avoir une salle de sport ou faire la méditation, du coup, on n'a plus l'utilité de mettre ça à 4. Alors, soulever des barres, ou soulever, faire du sport, la productivité, ça peut être c'est de pouvoir se maintenir en forme, mais la méditation, c'est aussi, il se passe des choses hein, dans le cerveau quand on médite. Hein. Le cerveau, il se construit de façon très particulière. Les gens qui méditent beaucoup ont un fonctionnement cérébral et des neurones qui ne sont pas tout à fait comme tout le monde. Hein. Donc, il y a de la productivité. Si la personne estime qu'il y a de la productivité, oui. Et puis, après une séance de méditation, on peut être très ressourcé, comme on peut être aussi épuisé. Quelqu'un qui a soulevé des haltères pendant une heure, il peut être épuisé. Hein, donc il y a de la productivité parce qu'on a fait quelque chose, on a développé ses capacités physiques ou intellectuelles, mais on peut être épuisé à la fin de la séance.
Une autre question? Ouais. J'avais une remarque sur le choix du nombre de niveaux dans les échelles. Ouais. Souvent, le nombre 5 pour les échelles de cotation est utilisé justement parce que c'est difficile de savoir où on se positionne précisément. Par exemple, une échelle de 3, on a juste entre 1, pas du tout 3 totalement et milieu. C'est, et une échelle de 10, c'est vrai que ça donne plus de nuances, mais pour les personnes qui la passent, ça peut être assez laborieux aussi de savoir entre 5 et 10, est-ce que je suis plutôt entre 6 et 8, et du coup, parce que les échelles, c'est souvent aussi coincé pour les personnes qui la passent, aient envie de la passer, sinon les plus âgés ne remplissent pas leurs échelles. C'est un équilibre entre jamais complètement satisfaisant. Et le problème d'échelle, ça a été vraiment étudié, elle a fait vraiment des études auprès de différentes personnes qui ont rempli l'échelle, qui ont expliqué comment ils raisonnaient pour mettre un 2, pour mettre un 4. Et donc c'est tout à fait scientifique. Donc ce qui fait que je ne remets pas ça en question parce que c'est ce qu'elle a choisi. Mais moi personnellement, j'aurais préféré coter sur 10. Voilà. Bon, ça c'est un détail. Hein. Je ne suis pas. Voilà. Oui. Une autre question. Alors, comment est-ce qu'on s'en sert après? Non. L'idée, c'est pas d'additionner tous les chiffres. Hein, on ne va pas dire il y a eu du plaisir à 45 parce qu'il y a eu. Voilà. C'est vraiment de réfléchir, de prendre du recul par rapport aux différentes activités que la personne fait dans sa vie quotidienne. Et de pouvoir repérer les activités qui sont particulièrement fortes, qui ont des cotations particulièrement fortes, parce que quand on est ergothérapeute, on y réfléchit à tout ça, on est sensible à tout ça. Mais quand on est dans le streaming normal de la vie, on réfléchit pas forcément à tout ça. On vit, et puis il y a des activités qu'on va faire, qu'on va privilégier, puis d'autres qu'on va faire une fois de temps en temps, sans trop se rendre compte qu'il y a certaines activités qui sont difficiles à vivre, qui ne sont pas forcément nécessaires, et que peut-être que ces activités-là, il faudrait les mettre de côté, et d'autres qui sont particulièrement fortes, avec des grandes cotations, et que celles-là, il faudrait les privilégier. Alors souvent, ça se fait de façon assez naturelle, hein, parce qu'on va privilégier le plaisir, mais parfois, ce n'est pas si évident que ça. Et on peut se rendre compte aussi que le sommeil, il y a des gens qui dorment très très mal, qui dorment très mal parce qu'ils dorment mal, ok, mais parfois, c'est en lien avec la pathologie. Des gens qui ont des pathologies qui font qu'ils doivent se réveiller plusieurs fois pour se retourner ou pour... ou des gens qui se réveillent très facilement, qui, en fait, le matin, ils se retrouvent, ils sont plus fatigués que la veille au soir. Quand on est ergothérapeute, c'est vraiment important de se rendre compte de ça parce qu'il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir aider la personne à mieux dormir pour qu'elle soit ressourcée le matin et non pas épuisée le matin. Et souvent, ça, on zappe ça en ergothérapie. Hein. Une autre question. Est-ce que l'objectif de cette grille, c'est ensuite de pouvoir prendre les domaines qui sont les cotés le plus faiblement pour proposer à la personne de travailler dessus pour qu'il y ait certains critères? Alors, donc l'objectif, est-ce que l'objectif du profil PPR est de repérer les activités qui aient les plus petites cotations pour les travailler ou les cotations les plus fortes pour les travailler? C'est plutôt de pouvoir mettre de côté les activités qui ne procurent rien, qui ont des petites cotations, les mettre de côté et privilégier les activités qui ont des fortes cotations. Hein. Parce que là, on est dans un profil qui s'adapte à tout le monde, qu'on ait des problèmes de santé ou pas. Et c'est un profil qui veut être utile pour des gens sur des larges populations. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire passer le profil PPR à 1000 personnes qui ont une sclérose en plaques, pour voir un petit peu ce qu'il en est de l'impact de la sclérose en plaques sur les activités de vie quotidienne, pour se dire, tiens, les personnes qui viennent d'avoir leur diagnostic en sont plutôt là, les personnes qui ont vécu déjà 10 ans avec leur CEP, elles en sont là, et puis les personnes qui ont vécu 20 ans avec leur CEP en sont à ce niveau-là. Donc on peut avoir une prédiction.
de ce qui va se passer, des liens entre l'activité et la santé. Puisque l'idée du profil PPR, c'est de se dire qu'il y a d'autant plus de liens entre l'activité et la santé que l'activité procure et plaisir, et productivité, et ressourcement. D'accord ? Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, mais je pensais qu'on pouvait en tirer quelque chose de bien concret et pratique. Oui. Ah, c'est concret et pratique ? C'est chouette, on va passer notre journée avec. Mais concrètement, c'est pas si. Alors, quand j'ai traduit ce truc-là, quand j'ai traduit ce chapitre-là, je me suis dit, mais il faut que je l'essaie. Hein, je ne vais pas m'amuser à traduire un truc sans l'essayer. Hein, ok, très bien. Je l'ai fait, ça ne prend pas beaucoup de temps, hein, vous savez. Il faut juste avoir ces deux feuilles, et puis toutes les demi-heures, toutes les heures, on va se dire, ah tiens, là j'ai fait ça, et puis on note, et puis on cote, on réfléchit. Hein, même en se lavant les dents, on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais coter cette séquence d'activité. Et puis là, on marque les trois chiffres. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Hein, il faut le faire, c'est vrai. Mais si on sait que ça va servir à quelque chose, on va le faire de façon précise. Hein. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et ensuite, on prend du recul par rapport à ce qu'on a écrit et on se dit, ah ouais, là, je n'avais pas repéré que quand il se passe ça ou ça, eh bien, je me ressource beaucoup plus. Je n'avais pas repéré que... Voilà. Et c'est là où on va rechercher ces activités-là pour les privilégier. Une activité qui permet du ressourcement, c'est une activité qui va permettre une meilleure santé. Tous les jours, notre corps il a besoin de se ressourcer pour pouvoir se réparer. Quand on dort bien, le corps se répare bien. Se répare, mais de la vie ordinaire. Hein. Notre question. Vous avez dit qu'il faut mettre de côté les activités qui ont une faible cotation, mais si on prend l'exemple du sommeil, une personne qui dort très mal du fait de sa maladie, elle va mettre des faibles cotations, mais en même temps, il faudra, en tant qu'un... Oui, d'accord. Ouais. Alors, effectivement, c'est un petit peu contradictoire tout ça. Effectivement, il y a des activités, si la personne fait des cauchemars, se réveille tout le temps, est douloureuse, le ressourcement, ce sera à 1 ou à 2. La productivité, ce sera très mauvais et le plaisir, elle n'en trouvera pas non plus. Effectivement, c'est des activités qu'il faut repérer pour pouvoir aider la personne à se ressourcer. Parce qu'il faut trouver dans la journée des moments où les gens vont se ressourcer. Si la personne dort mal, mais qu'elle arrive à se reposer dans la journée, qu'elle arrive à faire des siestes, eh bien ce sera moins grave. Mais si la personne, toute la journée, doit aller travailler ou doit aller faire des choses, aller en rééducation ou autre, et qu'elle n'arrive pas à se reposer non plus dans la journée, il y a un problème. Et c'est là où on parle d'équilibre occupationnel. On parlait d'équilibre tout à l'heure, parce qu'il faut, on a besoin dans notre vie d'avoir des activités qui nous procurent du plaisir. On a besoin d'activités qui nous permettent d'avoir de la productivité. Et on a besoin d'activités qui nous permettent d'avoir du ressourcement. Et donc là, s'il manque quelque chose, que ce soit de la productivité ou du plaisir ou du ressourcement, il faut réfléchir avec la personne pour savoir comment faire et sur quelle activité on va pouvoir travailler pour faire changer les choses. Parce qu'on a besoin des trois. Quand on fait passer la grille, le profil, on va dire, il faut quand même avoir en tête du coup, les besoins primaires de la personne, centrer sur ça, c'est ça qui se passe. Les besoins primaires, c'est à la fois de la productivité, du plaisir et du ressourcement. Ce n'est pas forcément que la personne puisse se laver toute seule. C'est pas forcément qu'elle aille au travail, c'est pas forcément qu'elle fasse du sport pour être en forme, pas forcément. Et une autre dernière question par rapport à la... C'est la personne qui remplit, donc son... C'est la personne qui remplit, oui. Oui. Et là, vous disiez de faire sur deux jours. Oui, sur deux jours, oui. Ouais. Est-ce qu'il faut le faire régulièrement aussi pour pouvoir voir le suivi? Alors, si on veut voir le suivi... On peut demander à la personne de refaire le profil. Mais souvent, le fait de l'avoir fait une fois, ça donne déjà quelques idées. Et puis la personne peut très bien avoir... on peut très bien continuer parce que la personne a vécu des changements dans sa vie. On a mis en place différentes activités ou elle a changé d'activité. Et là, on peut se dire, ah oui, tiens, vous allez refaire le profil PPR pour voir effectivement les différences. Bon. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Alors, est-ce que vous êtes prêt à le faire chez vous? Ouais, oui. Avec des patients. Alors, avant de le faire avec des patients, je pense qu'il faudrait tout de même au moins lire le chapitre. Alors, il est un petit peu... C'est vraiment un chapitre de recherche par une ergothérapeute américaine. Et je vais vous dire que les chercheurs américains, ils ont une façon d'écrire qui est un petit peu lourde. Il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de détails. Et vous vous dites, en tant que Français, on se dit souvent, oh, ils auraient pu aller un peu plus vite, hein, ils auraient pu synthétiser un peu plus. Mais les chercheurs américains sont très, très précis, ils aiment bien le détail. Et donc, quelquefois, c'est un petit peu lourd et un petit peu difficile à suivre. Mais c'est expliqué et c'est un travail de doctorat qui a été fait là. Et donc ça, c'est intéressant. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est un des exemples des chapitres du livre de Doris Pierce qui font qu'on peut s'ouvrir à la fois à de la pratique, à de l'évaluation, à de l'orientation dans son travail, à l'idée de l'équilibre occupationnel, à l'idée de pas mal de concepts qu'on peut trouver en sciences de l'occupation. Voilà. Alors, à vous-même, qu'est-ce que ça peut vous apporter de faire votre profil, profil PPR ? Voilà, c'est-à-dire expérimenter par vous-même les difficultés que les patients vont rencontrer pour le remplir, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ça, il y a beaucoup d'outils d'évaluation. On a vraiment intérêt à les remplir nous-mêmes avant de les proposer aux patients. Alors que ce soit le FI2 dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit le dessin de la rivière du modèle Kawa, si vous ne l'avez pas fait vous-même, je trouve que c'est un petit peu ennuyeux de le balancer directement à un patient en lui disant « Allez, vous allez décider ça, hein, vous allez le faire. » C'est toujours important de le faire soi-même avant de le proposer à un patient. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter à une personne confrontée à des problèmes de santé ou confrontée à une rupture dans ses occupations? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme rupture dans les occupations? Le passage à la retraite, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rupture dans les occupations? La maladie. Vous avez un accident de la route, vous êtes cassé de partout. C'est sûr que c'est une sacrée rupture dans vos occupations, oui. Ah, oui. Un enfant, avoir un enfant, c'est sûr que ça fait une rupture dans vos occupations. Et c'est intéressant de percevoir comment, quelles activités vous aviez avant la naissance, surtout du premier enfant. Et puis ce qui se passe après quand vous avez un enfant à la maison. Et là, il y a des ruptures qui sont souvent pas très réfléchies, pas très conscientes. Et puis parfois, c'est des ruptures qui sont très difficiles à vivre pour certaines mamans. Hein, tout d'un coup, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus sortir, on ne peut plus aller voir les copines parce qu'il faut s'occuper du bébé. Et là, pour certaines mamans, c'est normal. Ça se fait très vite, très facilement. Et pour d'autres mamans, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est intéressant, effectivement, de faire un petit peu un bilan de ce que la personne faisait avant. Donc là, c'est un peu rétrospectif. Et puis maintenant, ce que fait la personne, surtout quand elle a des soucis de santé, qu'elle déprime, qu'elle va moins bien. Et pour quelqu'un qui est dépressif, ça peut être intéressant justement de pouvoir percevoir ce que la personne faisait avant et comment elle se perçoit maintenant et ce qui se passe effectivement. Alors, reprendre ou pas les activités d'avant. C'est sûr que souvent on se dit « Ah, il était menuisier, on va lui proposer de la menuiserie ». C'est pas forcément bon, ni intéressant, ni possible. Hein. Parce que parfois, la personne est confrontée à sa pathologie, ses difficultés, ses incapacités, et ça devient tellement difficile de se confronter à faire un petit truc qu'on faisait sans s'en rendre compte avant, que du coup, cette activité qu'on connaissait bien, qu'on connaissait trop bien, peut être très douloureuse en fait à revivre, pour certains. Pour d'autres, c'était « Ah, j'aimais bien cette activité, je veux vraiment la refaire. Je veux y arriver, je veux y arriver. » C'est très subjectif. Ça dépend vraiment des personnes et de l'investissement aussi que pouvaient avoir les personnes par rapport à cette activité-là.
mais aussi des valeurs et du plaisir, ressourcement et productivité qu'on pouvait avoir. Hein? On pouvait être menuisier pour la productivité, avoir du plaisir en faisant son travail de menuisier, se dire que bah, c'était peut-être ressourçant ou peut-être pas, et puis être content de pouvoir reprendre cette activité-là quand on a 75 ans et qu'on a eu un accident vasculaire cérébral. Et pour d'autres, pas du tout. Pour d'autres, bah, c'était de la productivité, c'était le travail, et reprendre ça maintenant, j'ai plus de plaisir. Si j'ai plus de plaisir, c'est pas une activité qu'on va reprendre. C'est intéressant de se poser la question sur ces différentes cotations. Parce que souvent, on parle de plaisir, loisir, de soins personnels, ressourcement, activité productive, on produit. Et on se dit, mais il faut que les gens ils soient indépendants, qu'ils sachent se laver, faire leur toilette, tout ça, c'est primordial. Mais peut-être que pour certains, ce n'est pas si primordial que ça. Peut-être que pour certains, pouvoir téléphoner aux petits-enfants qui habitent loin ou pouvoir utiliser Internet pour envoyer un mail, c'est peut-être bien plus important que de se doucher et que de s'habiller. Et donc là, on pose la question. Les ergothérapeutes qui ont fait des travaux en sciences de l'occupation posent la question justement, est-ce que les ergothérapeutes ne se ciblent pas trop sur les activités de soins personnels et n'occultent pas trop toutes les autres activités? Quand on est dans un hôpital, il y a une pression institutionnelle sur les activités de soins personnels, repas, habillage et toilettes, qui fait que ben, on ne s'en sort pas. Mais quand on est dans la science de l'occupation, eh bien, on questionne ça. On questionne ça. Mais c'est quand même aussi le fait de travailler en équipe. Le fait de travailler en équipe. Avec d'autres professionnels. Mmh. Alors, croiser les observations, c'est sûr, mais c'est le travail, la pratique en ergothérapie. Avec quelles activités est-ce qu'on va proposer aux patients? Oui, mais on n'est pas tout seul. Ah, on n'est pas tout seul, mais en tant qu'ergothérapeute, on a une vision originale tout de même. Si on fait la même chose que le kiné, l'infirmier et l'aide-soignante, ce n'est pas la peine d'avoir des ergothérapeutes. Donc on doit avoir quelque chose d'original. C'est vrai qu'il y a un travail d'équipe et d'échange, d'informations, d'observations. Ça, je ne remets absolument pas ça en question. Mais c'est plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire en ergothérapie? Comment est-ce qu'on prédit? Comment est-ce qu'on voit? Comment est-ce qu'on pronostique la vie de la personne? Et papa, ne travailler que sur la pathologie et sur la récupération, ça ne suffit pas. Il faut travailler aussi sur le changement et le futur. On va pouvoir terminer. Bon, merci de votre attention.